Je vais aller chercher un peu de charbon. Il m'en faut 100. Tiens, je vais en prendre là. Donc je récupère 100 de charbon. Ça a peut-être coupé l'électricité. Non, c'est bon, nickel. Et je vais aller chercher 100 de minerai. Et pour revenir, on va juste améliorer la fin. Les parties qui sont pas améliorées, genre celle-là. Donc là, vous voyez, on est à vitesse max et juste ici, on est limité. Fait que bah là il y en a 60 par seconde par minute et là il y en a 240 par minute. Si on met ça, bah c'est à fond. Et quoi que non, ça devrait, non, c'est à fond, non, non, c'est limité parce que là l'arrivée elle est à 120 par minute. Donc, il faudrait que je retourne jusque là-bas, l'endroit où il y a le petit marteau. Jusque là-bas, du coup, pour aller améliorer mon mine de charbon. Ce que je vais sûrement aller faire avec des power charbon. Ce qui va me permettre d'être un peu plus loin. Alors, faisons cette petite recherche. J'ai un nouvel alliage possible pour faire du steel, de l'acier. Mais ce nouvel alliage vient me demander plus de charbon, donc c'est pas forcément le mieux étant donné que le charbon, bah, je suis en manque. Ah non, c'est de l'iron ingot. Ah merde, j'avais pas réfléchi à ça. Et ben on va. Et ben je vais rester sur celui-là pour l'instant. Parce que les ingots je les récupère là-bas, donc je vais essayer d'en ramener. Ah, j'ai plus de ciment. Le ciment se fait très lentement. Comment ça se fait que ça se produit aussi lentement? C'est en bas que c'est lent. Le gisement doit être trop pauvre en fait. Mais du coup le ciment tout en haut qui arrive dans cette boîte là. Hop. Oui, j'en ai bien assez. Donc je vais utiliser du ciment pour faire des plateformes et bétonner le sol. Parce que la nature, elle n'a pas besoin de voir le jour, bien entendu. Ah non, c'est là le minerai. Minerai, mon beau minerai. J'en ai 3 qui reviennent là. Mon Dieu. Je vais en piquer ici, moi, du... Je sais pas ce qu'il connectait, il est connecté là, je pense. Alors,
On va faire un conveyor belt. On essaye de faire un truc joli quand même, je pense. C'est compliqué, je pense. Et là, on va essayer de faire un truc comme ça. Cette partie-là va être less deg. Alors là, il va me finir les minerais. Nickel. Et maintenant, on passe en alternade. Et je vais juste améliorer les belts. Faut pas déconner non plus. Pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais très clairement, on devrait en avoir plus en fait. En consommation, donc finalement non, c'est logique. Faudra potentiellement que j'améliore la vitesse ici. Parce que là au final j'ai fait une production augmentée, mais j'en ramène pas du tout assez, donc du coup on est limité. Donc je vais aller booster ma mine de charbon. Ma mine est déjà niveau 2, donc je vais aller voir pour récupérer Putain, je suis bloqué. Je récupère des plaques comme ça. C'est en train de se faire construire vitesse grand V. Bon là, elle est beaucoup moins vite, clairement. Je vais aller les récupérer directement là-bas. Je vais les récupérer 100%, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas celui-là, c'est encore celui développé. Là, ça va augmenter par deux. Ça va augmenter par deux la vitesse d'arrivée de charbon. Ce qui devrait être pratique, surtout si j'augmente mon nombre de fonderies. Et voilà, j'en ai déjà plus. Là-bas, elle est déjà niveau 2, donc il n'y a aucun intérêt que je retourne là-bas. Il va juste falloir que je fasse beaucoup, beaucoup plus de plaques.
Charbon de ce côté-là, il est bloqué. En puissance énergétique, on est correct. On arrive à un max de 260 mégawatts. Et j'ai une production totale de 350. Il me reste encore 100 mégawatts tranquille, tranquillement, posément. Alors, on va aller voir la fonderie, ce qui nous manque. S'il y a un ralenti de ce côté-là. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah si, les ingots. On est limité par les ingots. Je vais voir pour essayer d'en piquer ailleurs. Parce que là, je les pique en bout de chaîne, en fait. Donc c'est pas outil. Il faudrait que j'essaye d'en piquer ailleurs. Potentiellement là, également. Mais normalement, j'avais fait les calculs. Ce qui fait que, potentiellement, je suis en train de foutre la merde dans mon truc. Donc je vais faire un petit twist ici. Je vais juste faire une fonderie, en fait. Une fonderie, une smelterie. Ah, il manque du câble. Les câbles, ils sont tout là-bas. Ils sont reliés au réseau quand même, ils remontent. Ils passent ici. Donc là, au final, ça sert de buffer et ça remonte là-haut. Mais c'est tellement peu utilisé que ça. Donc là, quand c'est jaune, c'est que ça fonctionne pas à plein potentiel. Il y a 26% de potentiel. Donc clairement, je peux aller plus vite, faire plus. On va le se mettre comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, on crame tout. Ah, on crame pas ça quand même. Alors, autant en haut, j'ai fait un truc propre, autant en bas, je m'en bats. Hein? Qu'on lui dise de faire des iron ingots parce que sinon il va pas s'en goûter le bougre. On lui file combien la minute? On lui en file 60 la minute, ce qui fait que là il en récupère 60 parce qu'il a 200%, mais comme il n'a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. Je vais arriver à sauter ou pas? C'est bon. Alors on récupère l'électricité ici, on la donne ici, et là ça va plein de vite. Ici on va faire sauter ça, sauter ça, sauter ça, sauter ça, et même sauter ça. Pour pouvoir mettre dans le logistique le merger qui va renvoyer de ce côté-là, si j'arrive à l'aligner. Semble correct. Ah merde. Alors mon chat va rentrer. Je vais pas rentrer. Allez boy. Viens on rentre. On va pu entendre les bruits de dehors.
Je remets bien mon merja. Ah bah non, on commence pas mieux lui. Notre cool. Là. Et là on est bon. Bon là pour l'instant ça envoie à fond, mais normalement ça va envoyer que 60 par 60. Donc techniquement j'aurais pas eu besoin de mettre un niveau 3. J'aurais dû juste mettre du niveau 1. Que je vais faire, mais il veut pas. Comment ça, tu veux pas? Et là aussi, en fait. Je suis une gold digger donc je mets énormément, mais au final j'ai pas besoin de mettre tant que ça. Là c'est pareil, ça a clairement pas limité les choses. Du charbon, charbon je l'ai mis à pleine vitesse parce qu'il nous en faut 112. J'aurais pu utiliser juste les niveaux 2 pour celui-là, c'était pas nécessaire d'avoir du niveau 3, mais le niveau 3 me coûte moins cher que le niveau 2 en fait. J'en produis combien la minute? J'en produis 120 et là c'est du niveau 1. Ben on passe en niveau 3. Comme ça, ça repart de l'autre côté. Voilà. Parce qu'au final, il y en avait énormément qui étaient bloqués là-dedans. C'est plus des... Bon, on le tente de se fuir maintenant. Qui arrive là à pleine vitesse. Lui, il en prend 30 par minute. On a 120 qui sortent ici, lui il en prend 30 par minute, lui il en prend 15 par minute. J'ai peut-être un peu bourré. Ou alors je suis un constructeur en plus. Ouais. Voilà. Parce que là il y en a 15 qui sortent par minute, et là j'en ai 10 qui sortent par minute. C'est pas bien rapide là. J'hésite à retourner faire des... aller chercher des... comment ça s'appelle ? Des slugs. Parce que là ça va stocker, ça a commencé à stocker donc... Je vais patienter un peu et en attendant, ouais, je vais aller chercher des slugs. Juste pour que ça aille plus vite en fait. Là on voit que l'électricité... Ouais, l'électricité est quand même un peu pour un. Il y a pas mal de consommation. Je sais pas si j'ai des slugs qui ne sont pas utilisés à bon escient. Mon analyse est terminée à mon avis, ici. Carapace est terminé, je peux choisir un autre truc. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacocoerus plumbeus cotta or fluffy-tailed hog.
Ok, d'accord. Donc faut que je refasse des aliens carapaces. Et nickel, il m'en restait encore 10. Donc là on a fait une seule étude. Enfin une étude sur une seule carapace. On va faire une étude sur 10 carapaces. Potentiellement j'ai une armure après, j'imagine. C'est pas trop mal. Je vais voir pour débloquer ça quand même. Il nous faut encore pas mal de cadres et pas mal de moteurs. Cadres, bon, ça c'est déjà fait. Parce que sinon, il me reste genre les tiers 1 et tiers 2, mais c'est pas utile. Ça à la limite. Allez. Parce que je suis un gars sympa. Et c'est de la plaque qu'il me faut maintenant. Hop là. Les tiers 1, ça me permet d'avoir plus de stockage. Milestone reached. Additional storage options have been provided. R&D inflated your pocket dimension and developed a personal storage box accessible in the build menu. Merde, je me suis perdu. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais peut-être diminuer la puissance ici parce qu'elle n'est pas foncièrement utile. Parce que là on est à 112 et là on passe à 90. Et ici vous en récupérez 15 et 30. Donc là on est à 45, c'est le double. Déjà si je t'améliore, tu me passes à 15 par minute. Oui bah oui, c'était pas très compliqué à calculer ce niveau là. Donc là je passe à 60. 45 plus 15, je passe à 60, c'est nickel. Et j'en ai un de dispo. Je vais pas le mettre là parce que sinon ça, je perds l'équilibre du coup. Et on va aller voir pour débloquer les prochains milestones. Il va me falloir des cadres. Normalement des cadres je vais en avoir pas mal. Et des moteurs. Moteurs j'en ai beaucoup moins. Là on peut voir le robot qui revient tout seul. Il est allé dans l'espace donner des marchandises, maintenant il revient. Alors les cadres c'est où? Les cadres c'est ici. J'en ai plein. Non mais non. Alors, cadre, je vais tout prendre. Je vais prendre aussi quelques rotors. Je vais voir pour les stators. Ah bah oui, les stators, j'en avais mis là. En fait, je pourrais le mettre dans l'autre sens, celui-là. Mais bon, ça ruinerait le sens du jeu, ça serait moins bien. Bon, toi tu peux tourner à 100%, hein. Donc je mets à la main. Y a pas vraiment de raison de le limiter. J'avais limité pour pas faire une production trop importante et pas me retrouver en manque en fait. Conveyor wall. Bon, rien à péter mais bon, on va le faire quand même. La plaque. On manque un tout petit peu. Bon, je fasse attention parce que les câbles, j'en produis plus. Ça devrait aller. Hop. On voit ça en attendant. Milestone reached. To ensure optimal use of space, navigation and tidiness, R&D have developed stairs and conveyor walls.
Et les moteurs, j'en produis encore. Donc ça avance bien. Je crois pas qu'on puisse mettre celui-là en objectif. Les autres, on peut les mettre en objectif ici. Mais celui-là, c'est un peu plus compliqué. Donc il me faut 150 cadres encore et 100 moteurs. Les moteurs, ça va être long. Quoique. Non, les deux, ça va être long en fait. Donc je laisserai tourner le jeu en offline. Je remettrai de temps en temps du cadre et du moteur ici. Bon, j'en ai déjà récupéré 12 là. On en fait 7 par minute. Qui dit qu'il m'en fallait encore combien? 100. C'est pas non plus rapide. Et là, les cadres, il n'y en a que 9 de poids. Et parce que les cadres, le souci, c'est les plaques renforcées qui... C'est pas qu'elles viennent lentement, même si elles viennent lentement, mais elles sont produites très lentement. Et c'est parce que j'ai pas assez de vis en fait. Production de vis monstrueux. Ah, est-ce que c'est parce que les trucs sont trop lents? Non, c'est les conveyeurs belles niveau 2 pourtant. Là je peux pas améliorer plus. Non, je ne sais pas pourquoi c'est lent. Donc là, c'est carrément du niveau 1 parce que celle-là, elle fonctionne à... en sous-régime. Je sais plus pourquoi. Je vais la mettre à plein régime quand même. Parce que c'est tellement lent, ça en produit 5 par minute, ça met 12 secondes à se faire. Là, le chat. Alors, je vais regarder en bas s'il y a un ralenti quelque part. C'est pas en poussant la vitesse hein. Parce que là en sortant c'est des conveyeurs belles niveau 2 qui en produisent 90, donc niveau 2 ça suffit. Voilà, vous voyez la queue de Naki. Moi je vois plus mon retour partiel chat. Oh, t'es mieux. Je peux te poser là hein. Ouais, c'est mieux. Là, sur la pose, ouais, c'est bien. Hop. Bon, je vais booster comme un point. C'est stupide parce qu'au final c'est bloqué ici. Ce truc est bien niveau 2. Courrier Bell niveau 2, oui, 620 quand même. C'est comme ça, hein. Ça paraît logique. Les niveaux 1, ils ont 3 petits trucs, les niveaux 2, ils en ont qu'un seul, et les niveaux 3, ils ont des gros. Ça me permet de repérer la différence. Là par exemple, je sais que c'est du niveau 1.